Le réalisateur slovaque Stefan Uher, né en 1930, a obtenu son diplôme de metteur en scène en 1955 à la FAMU, la fameuse faculté du film à Prague, et la seule qui existait à ce temps-là en Tchécoslovaquie. Uher était un des premiers Slovaques à passer par la FAMU et il a été ensuite engagé par le studio du film documentaire à Bratislava. À cette époque-là, le cinéma tchécoslovaque était pleinement financé, mais aussi contrôlé par l'État. Au milieu des années 50, pratiquement tous les courts-métrages documentaires étaient donc conformes au style et à l'idéologie dominante. Ceux de Stefan Uher étaient différents. Il a apporté au documentaire slovaque de l'air frais. Contrairement aux cinéastes qui n'ont pas fait d'école de cinéma et qui ne sortaient que rarement du canon officiel du documentaire, Uher jouait avec la forme, il expérimentait, mélangeait la mise en scène avec l'observation et même laissait parler ses protagonistes librement et longuement. En voix off, bien sûr, puisque nous sommes encore dans les années 50. Grâce au documentaire, il a appris à aimer le travail avec les acteurs non professionnels. Pour ses films de fiction, il recherchait souvent des visages nouveaux, inconnus et souvent très jeunes. Dans son premier long-métrage « Notre classe 9A », Uher s'intéressait à l'adolescence et aux jeunes Slovaques de 14-15 ans en quête de leur identité. Mais ce n'est que dans « Le soleil dans le filet » de 1962 qu'il a réussi à combiner l'étude des jeunes en quête de leur identité avec la quête de son propre style cinématographique et de sa place au sein du nouveau cinéma slovaque. Le soleil dans le filet inaugure l'arrivée de la nouvelle vague tchécoslovaque. Il le fait par sa forme et son style nouveau, ainsi que par sa narration non linéaire, fraîche, un peu artificielle, mais authentique à la fois. Avant le soleil dans le filet, les films tournés en Slovaquie étaient le plus souvent des films ruraux, avec une narration très classique. En revanche, Le soleil dans le filet nous amène dans une ville d'Europe de l'Est, une ville plutôt moderne, où l'on découvre sur les toits des immeubles une brousse d'antennes de télévision, ainsi qu'un couple de jeunes en maillot de bain qui parlent argot et regardent l'éclipse du soleil à travers des lunettes noires ou un morceau de verre brûlé. Uher nous montre leur liaison fragile, des impasses de leur communication, leurs malentendus et leurs émotions. Mais la fraîcheur de son style chargé d'images pas toujours transparentes a éveillé les soupçons de la censure. On se demandait, que veut dire la métaphore centrale du film, celle du soleil attrapé dans le filet? Et cette éclipse, n'est-elle pas une allusion au déclin du régime communiste? Et la mère de l'héroïne, pourquoi est-elle aveugle? N'est-ce pas une critique de la génération des pères et des mères de la Tchécoslovaquie socialiste? Alors le film a subi des examens minutieux de sa rhétorique et il a affronté plusieurs tentatives d'interdiction avant d'obtenir son visa d'exploitation. En partie, il doit sa distribution dans les salles à son succès au festival. Il a été projeté aussi à Cannes dans le cadre de la semaine de la critique. Et surtout, au prix de la critique du cinéma tchécoslovaque que le film a obtenu en 1963. Oui, à cette époque-là, la critique de cinéma était parfois très puissante. Zázrak, aký zázrak, mám se vzývat.